Voilà, il est 18h45. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce meet-up de Club Power BI. Donc ce soir, dans ce meet-up, c'est un retour d'expérience. Power BI est dans le pré, parce que dans le pré, c'est avec Kuhn. Retour d'expérience donc sur Power BI en connexion directe sur SSAS, en live connection sur SSAS. C'est un meet-up qui vous est proposé en tout cas par l'équipe de Strasbourg. Alors, si vous voulez participer avec nous, utilisez le chat principalement. On vous propose de garder vos micros et vos caméras coupées pour qu'on puisse se concentrer sur la présentation en elle-même. Vos micros coupés ben, pour éviter d'interrompre la personne qui présente et votre caméra coupée pour éviter d'attirer l'attention sur autre chose que la présentation en elle-même et d'utiliser de la bande passante en même temps. Voilà, donc utilisez le chat sur le côté et si vous désirez. Également, vous pouvez lever la main pour demander de l'attention. Est-ce qu'on vous donne la parole? Alors, les news communautaires tout d'abord. Vous pouvez nous retrouver sur le site du club internet, du Club Power BI sur Internet. C'est clubpowerbi.com où vous allez pouvoir échanger avec la communauté, poser des questions ou éventuellement répondre à des questions également, si vous avez la solution. Et puis vous allez pouvoir retrouver un lien vers les différents meet-up, un lien vers la chaîne YouTube où vous allez retrouver toutes les vidéos des prochaines, enfin des précédentes événements, des événements précédents, ainsi que l'événement de ce soir qui sera mis donc à disposition sur la chaîne YouTube en replay, il me semble dès demain. Voilà. Et sinon, le Club Power BI, eh ben, c'est une communauté donc, de plusieurs personnes sur différentes villes de France et de Belgique. On a tout d'abord sur Paris nos confrères Tristan et Jean-Pierre qui sont à l'origine du Club Power BI, qui animent les sessions donc, basées sur Paris. On a dans le nord sur l'île Guillaume avec Julie. En Belgique, sur Bruxelles, on a Isabelle et Arnaud. Sur Strasbourg, on a mon collègue Philippe, donc, qui est à l'origine de cette session de ce soir, et moi-même David, qui présente donc les nouvelles de la communauté. Sur Lyon, on a Marie et Thomas, Aix-en-Provence, Joël et Franck, et sur Bordeaux, on a Gaël, Yass et Christophe. Ils sont trois, c'est les seuls qui sont trois sur Bordeaux. Et ensuite sur Nantes, Dimitri, qui est tout seul. Voilà. Et donc le planning pour 2021, enfin ce qui reste de 2021, les prochaines quoi, 5 semaines à peu près. Le 23 novembre, bah, c'est ce soir, la présentation donc, de ce SAS plus Live Connection présenté par Strasbourg. Le 2 décembre, on aura un dossier spécial Tirer le max de Power BI présenté par Nantes. 7 décembre, un Rex mystère, ça vous sera révélé prochainement. Et qui est présenté par Lyon. Ensuite, le 13 décembre, on aura des invités spéciaux, Peter Meyers et Chris Webb, qui seront introduits par l'équipe de Paris. 13 décembre, certainement un meet-up intéressant. Et ensuite, le 25 décembre, spécial soirée de Noël, on aura un club Power BI spécial, l'émission, à ne pas manquer certainement, le 25 décembre, d'ailleurs, il y a une petite erreur, c'est Non, marqué non, le non, 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 25 non, non, novembre. non, 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 David, Non, tu t'es mélangé. Le non, 25, 11, le 25 dans 2 jours, c'est les ah, c'est dans nouveautés. 2 jours. C'est les nouveautés de D'accord. la plateforme Power BI. Avant, elles étaient dans les sessions jusqu'à l'année dernière. D'accord. Maintenant, on a une session spécifique où tous les mois, le Oui. troisième ou quatrième jeudi de chaque mois, on a une session qui s'appelle l'émission, qui aborde les nouveautés. Et comme le disait Tristan dans le chat, on aura aussi une session spéciale, mais là c'est mystère, juste avant Noël, comme l'an dernier, mais ça, on n'en dira pas plus. Je faisais dans l'ordre, ça montait du 23 novembre jusqu'au 13 décembre. La suite logique, c'était que c'était le 25 décembre. Ok, Oui, autant pour moi. mais l'émission, c'est 20... la nouveauté. Ouais, 25 novembre, novembre, dans 2 jours donc. Ok. Eh bien voilà, je vais laisser la parole maintenant à mon confrère Philippe, et puis ensuite ce sera David Tanchon qui va donc présenter
pour ce Rex sur Kune. Philippe, je te laisse la main. Merci David. Merci. Alors, d'abord, David, merci d'être là. C'est toujours un plaisir d'accueillir des gens pour nous présenter leurs expériences. Et merci à toi. Merci, merci vraiment. C'est toujours un moment de partage. Ce que je te propose, c'est que tu nous partages tes slides, peut-être. Oui, Tu je les vais me as ou présenter tu. d'abord. Ah, Oui, c'est ou vous qui tu. me présentez ou tu peux Comme tu présenter? veux, dans l'ordre où tu Oui, veux. bah, le mieux, ça reste. Présente-toi. Voilà, je Dis-nous vais qui devoir tu me es. présenter. Voilà. Donc voilà, je m'appelle David Tanchon, j'ai 48 ans. Bah, j'ai commencé ma carrière professionnelle en 98, donc ça remonte chez Cronenbourg, qui fait partie du groupe Carlsberg. J'étais consultant BI, chef de projet BI, et j'ai fini comme Enterprise Architect BI pour le groupe Carlsberg, plutôt sur la partie Western Europe. Et depuis un an, en fait, j'ai été embauché chez Kune comme BI Manager, avec pour objectif d'implémenter un programme BI, puisque la BI chez Kune, on va dire, est plutôt récente. Ça fait maintenant, on va dire, vraiment 2 ans, 2 ans et demi qu'ils utilisent beaucoup Power BI, enfin beaucoup, qu'ils commencent à utiliser beaucoup Power BI. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, ils ont un AS400 où ils utilisaient directement le reporting sur l'AS400. Et comme ils sont en train d'implémenter SAP, du coup, ils ont besoin en fait justement de rendre disponible un peu plus des données qui vont être transverses et de consolider ces informations qui vont venir à la fois de l'AS400 et de SAP et d'autres sources de données. Et donc de monter en puissance en fait sur tout ce qui est BI, Data Warehouse et Analytics. D'accord. Merci, c'est clair. Et alors, Kune, qu'est-ce que c'est? Alors, justement, on a fait un jeu de mots, enfin, un jeu de mots, avec Power BI dans le pré, parce que l'activité de Kune, c'est. Voilà, Kune, en fait, tu présentes les slides là ou Non, tu peux. Je pensais que tu présentais tes slides, moi, je peux les présenter si tu veux. Ah, bah oui, Mais je c'est plus préfère. facile si c'est toi, parce que tu peux les enchaîner. Ok, ça marche. Je cherche. Excusez-moi. Je reviens là. Je vous présente. Dites-moi si vous voyez. Oui, elles arrivent, ouais. C'est bon? Ouais, c'est très bien, Voilà, très on bien. voit le groupe Kune. Je vais juste enlever ça. Donc, le groupe Kune, en fait, c'est un des leaders sur le marché de l'agriculture. Donc, il est présent dans le monde entier et c'est un fabricant de machines agricoles. Donc, on ne fabrique pas de tracteurs, hein, c'est tout ce qui est de machines qui sont tractées. On a un effectif en fait environ de 5 000 personnes, dont le siège social est à Saverne, Mons-Villers, donc à peu près à 40 km de Strasbourg. On a un chiffre d'affaires d'un peu plus d'1 milliard d'euros et on a des usines en fait qui sont réparties un peu à travers le monde, principalement sur la partie Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et ensuite, on a des filiales en fait à travers le monde, en Asie, en Australie, en Russie et aussi des filiales de distribution aux États-Unis. Donc, on a une répartition en fait en ce qu'on appelle des unités de production et des unités de distribution en interne. Donc, on a des sites en fait qui sont vraiment des usines et qui ne vont pas vendre mais qui vont plutôt livrer. Et après, on a des entreprises ou des unités de distribution qui vont à la fois fabriquer mais aussi distribuer les produits en fait qui ont été fabriqués par les autres unités de production. Okay. Aujourd'hui, les différents services et différents produits que Groupe Kune en fait produit et fabrique. Hein. Donc, on a tout ce qui est le travail du sol, les semis, la fertilisation, la pulvérisation, tout ce qui est broyage. On fait aussi l'entretien du paysage.
tout ce qui est de conduite d'élevage, donc alimentation en fait, des animaux, pardon, excusez-moi, l'enrubannage. Donc ça, c'est principalement des machines qui permettent de faire tout ça, avec aussi de plus en plus en fait, des machines autonomes. Donc on a beaucoup maintenant d'électronique, d'IoT en fait, qui sont embarquées en fait, dans ces machines. On ne s'en rend pas vraiment compte quand on parle d'agriculture, de paysans, mais c'est vrai que toutes ces machines en fait, sont interconnectées. Et c'est pour ça qu'on fournit également des services associés, tout ce qui est solutions électroniques et connectées, c'est-à-dire que toutes les informations qui sont captées par ces boîtiers électroniques sont remontées en fait, chez nous pour faire aussi de la maintenance préventive. Au niveau des agriculteurs, mais aussi les EED à optimiser, on va dire, le rendement de leur production et de leur consommation, on va dire, en tout genre. On les associe en fait dans différents services qu'on leur propose pour les mises en relation au niveau de pièces détachées à travers les concessionnaires. Souvent, des concessionnaires ont du stock en fait, sur certaines pièces qui ne sont pas disponibles ou qu'ils ont encore en stock, mais qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et donc, du coup, on partage en fait, ces informations avec les autres concessionnaires, mais on n'est pas du tout revendeur. Et après, on a un service qui s'appelle Kunpars, qui est plutôt revendeur en fait, de pièces détachées au niveau des concessionnaires. Si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, au niveau des domaines, différents domaines fonctionnels qu'on a aujourd'hui dans la BI, comme je vous l'ai dit, la BI chez Kuhn, en fait, c'est très récent. 2018, où ils ont commencé en fait, à implémenter du reporting plutôt finance pour montage budgétaire avec l'outil TM1 hein, d'IBM. Et ensuite, ils ont... on va dire, étendu un peu le scope au niveau des ventes, mais ils se sont vite aperçus en fait que ils avaient besoin en fait de parler un peu le même langage entre la finance et les ventes. Et donc, en fin 2019, début 2020, ils ont fait appel à un prestataire pour essayer d'homogénéiser en fait tout ce qui est partie BI, indicateurs de performance sur tout ce qui est commercial. Donc, ils ont fait une refonte complète, on va dire, de la BI et ils ont étendu après le périmètre à d'autres activités plus internes, IT, en utilisant des outils justement de Power BI Cloud, puisqu'avant, ils utilisaient Power BI Report Server hein, et maintenant, on n'utilise que du Power BI Cloud. Et depuis qu'on a commencé à implémenter, on va dire, SAP, on étend de plus en plus notre scope en fait à différents domaines comme les achats et la production. Donc, ce n'est que le début, on va dire, du voyage et de ce qu'on veut faire en fait au niveau chez Kuhn. On a à peu près une centaine, 150 utilisateurs. Ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on pourrait faire demain. On est en train de plus en plus en fait, étendre la BI aussi au niveau de la force de vente, donc les gens qui sont sur le terrain, avec justement des solutions embarquées sur la partie mobile. En termes d'architecture, alors j'ai essayé de rendre simple un peu l'architecture. On a en fait principalement une architecture on-premise sur la partie BI avec des solutions en fait de sources de données qui sont dans le cloud. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on utilise principalement de la S400. On a des données qui viennent d'Excel ou d'autres applications comme le service desk et autres ou CRM. Et on est en train d'implémenter un projet SAP, donc S4HANA, qui est hébergé dans le cloud avec aussi des applications qui sont sur Azure. Et donc, du coup, en fait, on utilise pour la partie BI, la technologie Microsoft, donc base SQL Server classique, du SSIS, puisque ça, c'est ce qu'on a utilisé pour extraire les données de la S400. On avait la partie Dataware qui était aussi sur partie SQL Server et du SSIS en fait pour la partie Kubanalytics et le Kube TM1 IBM pour la partie budgétaire.
Avec la mise en place en fait du projet SAP, la BI prend tout son sens puisqu'il va falloir justement consolider les informations qui vont venir à la fois de SAP et de la S400, puisque la mise en place de SAP, ça sera un rollout en fait progressif à travers les différentes entités du groupe. Donc c'est un projet qui va prendre 7 à 10 ans. Et donc pendant ce temps, bah justement, la BI, en fait, c'est ce qui permettra d'avoir des indicateurs complètement consolidés et puis de pouvoir faire tout ce qu'on ne peut pas faire dans SAP, mais qu'on pouvait faire avant, on va dire, plus ou moins dans la S400. On va dire que sur la partie S400, c'était quand même assez performant en termes de reporting, mais ce qu'ils faisaient souvent, c'est qu'ils préparaient justement l'information, ils pré-consolidaient l'information, et donc du coup, c'était aussi source d'erreur. L'avantage d'avoir cette solution et cette architecture, c'est que justement, on a eu l'information à un seul unique endroit et qu'on veut partager en fait avec différents outils, toute la partie justement SSAS, la partie finance, mais aussi on pourrait utiliser des API qui se connectent sur la partie Dataware pour pouvoir y montrer d'autres applications. Donc, on utilise Power BI Desktop pour construire les reports et on les publie sur Power BI Services. Je sais pas si ça. Ouais. Et comme je le disais, en fait, on commence à utiliser également Power BI Mobile pour certains reports afin de remplacer des reportings en fait qui sont encore sur. J'ai honte de le dire, mais qui sont encore sur Lotus Notes. Et donc, du coup, en fait, on utilise Power BI Mobile. Pour ça, ça marche assez bien. Souvent, on nous demande, comme ils avaient Lotus Notes, ils nous demandent en fait de savoir est-ce qu'on pourrait avoir les reports en mode déconnecté. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué, on va dire, avec les solutions Microsoft. Mais on essaie d'amener un peu ce changement d'état d'esprit, d'avoir des solutions déconnectées, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, on a un réseau quand même qui est assez bien couvert un peu partout. Après, c'est juste potentiellement de la préparation en fait de visites à faire. Donc, c'est un changement aussi d'état d'esprit et de travail. Et le dernier en fait projet qu'on a déployé en septembre, c'est qu'on a mis en place en fait du Power BI Embedded sur la partie extranet. Aujourd'hui, on avait les concessionnaires, donc des clients et des filiales qui se connectaient en fait à notre extranet pour pouvoir aller consulter le chiffre d'affaires ou les commandes qu'ils avaient passées en fait les années précédentes et avoir quelque chose, on va dire synthétique, mais c'était des informations qui venaient de la S400, qui étaient mises à jour une fois par trimestre et c'était des documents en format PDF. Donc du coup très détaillé, pas du tout facilement utilisable et donc on a construit en fait ces reports et on a embarqué en fait cette solution sur Extranet avec du embedded et on a apporté également d'autres solutions ou d'autres reports qui permettent en fait d'optimiser la prise de commande en fait pour les concessionnaires. Dis-moi, David, cette architecture très claire, pour qu'on comprenne bien, je voudrais juste revenir sur cette architecture, si tu me permets. Entre justement Power BI Service, il y a une gateway et SSAS. Dans cette architecture, qu'on va détailler, c'est bien l'objectif, c'est que les données sont chez vous, elles ne sont pas du tout dans le cloud Microsoft. Tout à Et fait. toutes les demandes transitent, hein, c'est ça? Tout à fait. En fait, la Power BI Gateway permet de connecter Power BI Services en fait à une base de données en fait qui se trouve en on-premise. Et donc, les données sont présentes et c'est ton cube SSAS tabulaire en bas qui restitue les données. Restitue, oui. C'est-à-dire que Donc. Power BI Services, ben lui, on voit sa requête en fait à travers la gateway à Analysis Services. Hein. Et ensuite, les données sont retransitées, mais ce sont les données en fait issues d'une requête, donc complètement consolidées. Pourquoi avoir choisi de stocker vos données dans chez vous, hein, puisque le SSAS, il est dans vos murs, il n'est absolument pas dans le cloud. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Alors moi, quand je suis arrivé il y a un an, c'était déjà comme ça. Donc du coup, pour l'instant, on va dire qu'on a utilisé, on continue d'utiliser cette technologie. On va dire que pour l'instant, l'architecture nous coûte pas grand-chose ou pas beaucoup. En fait, si on devait passer sur Azure, ça nous coûterait plus cher.
dans un premier temps. Et je pense que par rapport à l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, ça ne vaut pas le coup. Par contre, avec l'objectif qu'on a d'ici 5 ans d'amener en fait sur des sujets plutôt IoT, on passera certainement en fait sur Azure. Et donc du coup en fait on aurait quasiment plus rien en fait en on-premise. D'accord. Donc c'est lié à l'historique alors. C'est principalement lié à l'historique, principalement lié aussi à des coûts. Voilà. Après aujourd'hui c'est vrai que on parlait de modèles composites. Faut savoir c'est que aujourd'hui les utilisateurs chez Kuhn en fait ne font pas font très peu de reports eux-mêmes, certains en font, mais c'est un programme en fait qu'il faut que je dois mettre en place l'année prochaine, c'est-à-dire c'est comment déployer de façon optimisée Power BI en sachant que on va avoir des reports d'entreprise mais aussi du self-service. Et la difficulté en fait du self-service, c'est de se dire est-ce qu'on ne va pas construire une informatique parallèle et que les utilisateurs vont construire leur propre BI en fait à côté. C'est toute la difficulté du process d'amener en fait la standardisation sur du self-service au sein d'une entreprise. Et je pense qu'avec Azure, ça serait beaucoup plus simple qu'avec du on-premise. Nicolas pose la question, je ne sais pas si tu peux répondre, pourquoi ne pas utiliser Azure Analyst Services ? Est-ce que tu as réfléchi à cet aspect ou pas ? Alors, pour l'instant, on a les serveurs ici pour en local. Je pense que c'est la prochaine étape. De passer sur Azure Analysis Services et d'y aller de façon progressive. C'est-à-dire que si on devait migrer sur Azure, on ne ferait pas tout en Big Bang nécessairement, mais on passerait peut-être sur Azure Analysis Services d'abord et après on migrerait en fait la partie DataWare. Alors, petite réflexion, il faut savoir que le coût d'une petite instance Analysis Services, Azure Analysis Services dans le cloud, c'est quand même minimum de 150 €, je crois, de mémoire, ce qui est quand même un point à prendre en compte. Oui. Après, forcément, c'est les coûts, mais après, tout dépend en fait de ce que tu veux faire avec, quoi. D'accord. Est-ce que tu as des problèmes ? Est-ce que, par exemple, le fait que chaque requête passe par la gateway, arrive chez vous et les données repartent, est-ce que toi, tu as des problèmes de performance ? Alors, on n'a pas de problème de performance au niveau de la gateway. Par contre, on avait des problèmes de performance au niveau des Kube Analysis. Parce qu'on a des volumes qui sont assez importants sur certains cubes, dans certaines tables. De mémoire, en fait, par exemple, on a une table stock qui fait à peu près 1 500 000 enregistrements. La table du carnet de commandes, puisqu'on fait une photo tous les jours, en fait, on est à peu près un tout petit peu plus d'un milliard d'enregistrements également. On a 10 années d'historique, en fait, au niveau des cubes. Donc, la problématique de la volumétrie n'est pas au niveau de l'architecture entre Power BI Services, Power BI Gateway, SSAS, mais plus à comment en fait on va construire et consolider l'information dans SSAS. D'accord. Est-ce que tu as d'autres difficultés sur cette architecture ou tu as plutôt des avantages ? Non, pour l'instant, c'est quelque chose qui est assez souple. Aujourd'hui, en fait, au niveau de SSAS, on utilise Tabular Editor, parce que c'était une question tout à l'heure, pour modéliser, en fait, pour modéliser les cubes. Alors, pas Tabular Editor 3, pas la version payante, mais la version gratuite qu'on utilise encore, qui est beaucoup plus simple, en fait, d'utilisation, ce qui permet aussi d'optimiser aussi la modélisation des cubes. Mais sinon, en termes de problématiques, non. Après, l'avantage, c'est qu'on peut jongler aussi avec la partie SSAS. Quand on veut tester des indicateurs, on peut les construire directement dans Power BI. Et une fois qu'on a le DAX, le bon DAX, en fait, pour les bons indicateurs, on peut les basculer sur les cubes. D'accord. Donc, tu as eu cette problématique. Tu as une table qui fait 1,5 milliard d'enregistrements, 1,5 milliard d'enregistrements. Ça a été un problème justement dans le déploiement de ce projet. Je crois que tu m'as sollicité pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire.
Et on a eu deux actions correctives par rapport à ça. Est-ce que tu le détailles ou je le détaille, comme tu veux. Non, vas-y. Tu peux Donc, la première chose, elle est pas technique, elle est plutôt fonctionnelle. C'est que sur le 1,5 milliard de données qui étaient affichées tous les jours et régulièrement sur les tableaux de bord, en fait, on s'est rendu compte, et surtout David, connaissant bien ces données, il s'est dit, en fait, c'est surtout les données de stock. Et sur les données de stock, il y a les pièces détachées et puis les produits qui sont vendus. Et les rapports s'intéressaient massivement aux produits vendus. Donc, on a travaillé sur une nouvelle table qui fait, je crois, 500 millions d'enregistrements, je crois, hein, c'est ça, David? Qui sont les suivis du stock des machines finies. Et donc, on travaille la plupart du temps sur ces données de 300 000. Alors, on avait divisé comme ça déjà par 5 la volumétrie. Et l'autre action, elle est technique. Et peut-être on va regarder un petit peu ce que j'ai préparé comme slide pour aborder ces éléments techniques. David, si tu veux avancer d'une slide. Ça avance. Non, on est toujours sur la même, sur l'architecture. Ouais, je sais pas pourquoi. Voilà. Ouais. Alors, on a utilisé DAC Studio pas mal pour diagnostiquer justement ces problèmes de performance. Alors, la première chose, dans DAC Studio, ce qu'on a fait, ça regarde un petit peu la volumétrie. L'ensemble des tables qu'on a citées, donc les tables à 1 milliard, 300 millions, etc., ça présente dans le cube en mémoire 23 gigas, ce qui est quand même pas énorme. En tout cas, ça rentre dans de la mémoire sur un serveur. 65 tables, 665 colonnes. Voilà, ça nous donnait un petit peu une indication, premier niveau d'indication de la volumétrie, de la taille, etc. Je crois que ton serveur fait 32 gigas, hein, c'est ça? Le serveur, en termes de Ouais. quoi? De De mémoire? mémoire, ouais. 90 gigas. 90 gigas. Donc, on a largement de la place au niveau de la RAM pour faire stocker l'ensemble du cube en mémoire. Donc, là-dessus, on a de la marge. Bah, Ensuite, on n'a pas qu'un seul cube, hein, sur le serveur. ah oui, c'est vrai en plus. Oh. Mais c'est le plus gros. C'est Ah, sans compter, c'est le plus c'est gros. plus gros, voilà. Ensuite, la question suivante, la slide suivante, s'il te plaît. L'opération suivante, ça a été d'estimer la cardinalité. Donc, vous voyez qu'effectivement, on ne vous ment pas. La première ligne, vous voyez la cardinalité. Donc, la première table fait 1,535 milliard. C'était les chiffres d'il y a quelques jours, hein, que Oui. tu m'avais donné. Hein. Oui. Donc, voilà. Donc, la première chose, effectivement, c'était de regarder un petit peu la cardinalité, les volumétries. On a effectivement quelques tables qui ont une certaine volumétrie non incontestable. Et puis après, on arrive à des choses un peu plus raisonnables. Et puis, on a regardé aussi, et c'est la slide suivante, David. Bien sûr, on a regardé aussi la taille des colonnes. Donc voilà, la table. Alors j'ai pris la deuxième, hein, il fait 800 millions d'enregistrements. 800 millions d'enregistrements. On a regardé sa taille, hein, elle fait 14 gigas. On a regardé les colonnes qui occupaient plus de place. Donc les premières, je vais vous dire tout de suite, hein, c'est des clés étrangères. Donc on ne peut pas malheureusement probablement pas les réduire parce que c'est des entiers. On le voit là, c'est des entiers sur 64 bits. Et on ne peut pas non plus les supprimer, on perdrait des fonctionnalités. Alors, Tristan nous pose la question d'une des façons, et effectivement, on le voit dans la taille de ce qu'il appelle hierarch size, là, en fait, c'est la taille des hiérarchies. C'est quelque chose qui est utilisé pour faire du MDX. Alors, on pourrait effectivement, comme le dit Tristan, supprimer Is Available MDX, mais on se priverait d'une fonctionnalité dont on s'offre la possibilité à l'avenir, où je crois que ce n'est pas encore utilisé, c'est d'utiliser du Excel pour requêter le cube en direct. Et si on désactive ça, on perd le cube, puisqu'il faut savoir que le Excel n'utilise pas le DAX pour requêter les données, mais utilise le MDX, l'ancien module des modèles tabulaires, pardon, multidim. Donc si on supprime ces éléments-là, on perd des fonctionnalités qu'on veut garder. Tout à fait. Et Et effectivement. aujourd'hui, on l'utilise, hein, Excel. Hein. Quand on veut analyser, regarder des chiffres assez rapidement, certains utilisateurs se connectent directement à Excel sur le cube. Oui, on pourrait éventuellement supprimer ces colonnes sur certaines colonnes. Oui, ça peut être une idée
n'utiliser, de ne garder que sur les colonnes qui vont être utiles dans la partie Excel. C'est une idée à creuser, je le garde. Vidéo aussi, je pense. Voilà. La slide suivante, David, si tu veux bien. L'autre action, donc je vous ai dit qu'on avait deux actions. On a travaillé sur une table à volumétrie plus faible. L'autre action, c'est d'utiliser cette fonctionnalité, et on le voit ici, c'est que pour faire du traitement de requêtes, en fait, on fait du scan. En fait, on fait ce qu'on appelle du scan table en SQL, c'est-à-dire qu'on parcourt toutes les lignes de la table. Et c'est un module, une fonctionnalité à l'intérieur du QBCSAS. Alors, c'est vrai pour Power BI aussi, hein, sachez-le, ce n'est pas propre à SSAS on-prem. C'est d'utiliser, on utilise massivement les processeurs. Donc là, c'était de faire une montée en force brute, tout simplement. On a doublé le nombre de processeurs pour que le Storage Engine, celui qui fait justement, qui parcourt toutes les tables, qui fonctionne en mode parallèle, puisse fonctionner et ben, deux fois plus rapidement. Alors, comment ça se lit ici? David a pris une requête un petit peu lourde et me l'a donné, les résultats. Donc, le Storage Engine, le SE, c'est le premier qui va se mettre en activité, qui va faire le scan des tables. Et lui, il utilise massivement le mode parallèle de tous les processeurs. Donc, vous voyez que celui-là, le Storage Engine, a consommé 5 secondes, donc 5880 millisecondes, ça fait 5 secondes et demie, de CPU. Et cette requête a utilisé 4,2 CPU en moyenne. Et du coup, le temps réel observable par l'utilisateur, ce n'est pas 5 secondes et demie, mais 1 seconde 8. C'est ce qu'on voit en dessous, le 1799, c'est le temps qu'a utilisé, quand l'utilisateur voit réellement dans le Storage Engine. Parce que, comme tous les processeurs sont en même temps, ben, on voit que le résultat, qui est le. Donc, on a un coefficient 4,2. Donc, ce Storage Engine, il a utilisé 86% du temps de calcul de la requête. L'autre partie, les 13% qui manquent, c'est le Formula Engine, celui qui va traiter la mise en forme finale de la requête. Et lui, il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de moyens d'action, il travaille sur une seule CPU, donc on ne peut pas faire. Donc, globalement, la requête, elle a pris 2 secondes à s'exécuter dans le QBCSAS on-prem. Vous voyez à droite de l'écran l'ensemble des requêtes, parce qu'en fait, il découpe Power BI, en fait, SSAS et Power BI découpent les requêtes complexes en petites étapes élémentaires. Et là, on a les plus longues. La plus longue, c'est la première, et ainsi de suite, ça descend sur le temps CPU. Sachant que vous voyez très bien que la première, pour s'exécuter le premier scan qui travaille sur l'entité date, hein, on voit le début de la requête, elle a utilisé pour 719 millisecondes de CPU, mais elle a réellement exécuté dans la machine que pendant 109 millisecondes, ce qui est relativement faible. Elle a remonté 4752 lignes et elle prend 75 kilos d'exécution. Ce qui est intéressant dans ces requêtes, c'est qu'une partie des requêtes ont été disponibles dans le cache. 17 requêtes sur les 57 au total étaient dans le cache. Donc, un tiers de requêtes ont nécessité, elles sont toutes en bas dans l'écran on n'a pas pris, mais elles nécessitent 0 seconde de temps de traitement puisqu'on récupère elles sont dans le cache et le résultat est aussi dans le cache. Donc, autant vous dire qu'on a dit, on a été juste chercher le résultat dans le cache, donc ça nous prend 0 seconde. 0 millisecondes. Donc là-dessus, on est très très efficace. Voilà. Donc l'idée qui a été, c'est que comme 1,5 milliard, ça prenait trop de temps, ben, on a multiplié sur le serveur par deux le nombre de CPU, on a divisé la requête par deux. Donc avec ces deux éléments que nous avons vus, donc 300 millions de lignes plus divisé par deux le temps de requête, ben, on a divisé, on est tombé sur des temps qui étaient tout à fait acceptables, admissible pour les utilisateurs par rapport à ça. Il y a une dernière slide que j'ai prévue aussi qui complète cet écran, qui est la partie complètement à droite de l'écran que je vous ai présenté juste avant. C'est qu'en fait, ben, le traitement, le scan, en fait, on voit que ça exécute une sorte de select.
Alors, ce n'est pas du langage SQL, Microsoft l'appelle XMSQL. C'est un langage qui est propre à SSAS, donc vous n'avez aucune action. Ne cherchez pas à essayer d'apprendre de faire du XMSQL, vous ne trouverez pas. Ce n'est pas documenté, ce n'est pas disponible, ce n'est pas accessible. Mais globalement, voilà. Donc ça ressemble à du SQL avec des mots-clés propres à un moteur SSAS. Donc on peut comme ça aussi compléter le diagnostic sur les requêtes les plus longues par rapport à ça. Voilà. Il y avait aussi un article très intéressant ce matin, je ne sais pas si vous l'avez lu, blogué par Marco Russo et Alberto Ferri, justement sur ces analyses de performance dans DAX Studio. Voilà ce que moi je voulais apporter d'un peu d'éléments techniques par rapport à ça. David, est-ce que tu as rencontré d'autres problèmes, notamment dans DAX ? Bah, déjà, DAX, déjà, il faut se familiariser avec le DAX. Faire des choses simples, c'est facile. Après, c'est vrai que quand on commence à travailler sur de la grosse volumétrie, tout doit être optimisé. C'est-à-dire que ce soit l'écriture de formules, que ce soit la construction du cube, que ce soit bien réfléchir aux données qui vont être utilisées et utiles en fait au niveau des utilisateurs. Comme dit, moi j'ai récupéré une situation où a été construit en fait un cube avec le au cas où, le fameux au cas où, on ne sait jamais, on va pouvoir utiliser cette information. Donc du coup, on a essayé de rajouter de plus en plus en fait d'informations dans le cube pour essayer de satisfaire un maximum de monde. Et la leçon en fait qu'il faut en tirer, c'est qu'il faut bien réfléchir à quelle est l'utilité qu'on va avoir et pour qui va l'utiliser, et quitte à découper justement le cube en plusieurs potentiellement cubes pour éviter d'avoir des volumétries qui sont énormes, qui sont inexploitables et qui vont satisfaire personne en fait. Très bien, très bien. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a aussi abordé, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, je pense qu'on a été complet sur les évolutions d'architecture. Oui. D'accord. Maintenant, quel est ton ressenti par rapport aux produits Microsoft de manière générale ? Alors, produit Microsoft, non, je suis assez satisfait. C'est assez souple en fait d'utilisation. L'avantage aussi, c'est que bah, quand on rencontre des problèmes, on trouve assez facilement aussi les solutions sur le net. Ça, c'est un des avantages. Ensuite, avant d'arriver chez Kuhn, j'utilisais pas trop les solutions Microsoft et je suis assez vite rentré dans le bain en fait sur l'utilisation et l'optimisation. C'est assez simple, c'est assez intuitif, c'est assez complémentaire. Je trouve que Microsoft vont assez dans le bon sens en fait en termes d'utilisation, même si parfois sur la partie reporting ils ont un peu de retard sur certains par rapport à certains outils, mais ils essaient de le rattraper assez rapidement. Moi, je trouve effectivement aussi, moi qui fais pas mal de consulting par ailleurs, de voir les possibilités d'architecture qui peuvent répondre à des contraintes différentes. Ce matin, on parlait chez un autre client, un Power BI Report Server, parce qu'il ne voulait pas publier dans le cloud. Là, toi, tu as publié, tu as la moitié du cloud au niveau de la disponibilité du rapport, mais que vous gardez vos données en local, c'est un choix qui existe, qui est offert. Maintenant, on peut être contre. C'est un choix qui est fait aussi, comme on le disait au tout début. Hein, c'est un choix qui est fait. Quand je suis arrivé, c'est vrai qu'on s'est dit, bah, voilà, si on veut se donner les moyens en fait, de faire quelque chose de bien, bah, autant passer sur Azure, ce qui va nous offrir beaucoup plus de portes. Après, c'est un, est-ce qu'on a la matière et les utilisateurs aussi pour suivre assez rapidement pour faire ça. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui va se faire... qui doit se faire tout de suite, parce qu'il faut accompagner les utilisateurs. Donc, il faut y aller progressivement. Et puis, ça a un coût aussi. Ça a un coût de le faire. Si déjà, on a une infrastructure qu'on a plus ou moins déjà rentabilisée et que ben, demain, on doit passer sur Azure et que ça va nous coûter plus cher, il faut pouvoir le justifier. Donc, ça ne se justifie pas simplement parce qu'on se dit on va utiliser Azure, c'est parce qu'il faut ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ces nouvelles fonctionnalités, il faut qu'elles soient demandées aussi par le business.
Et comme dit, on est en pleine migration informatique avec l'implémentation d'un projet SAP. Donc, mener les deux en parallèle, c'est un peu compliqué. Même si en une année, on a déjà apporté pas mal de nouveautés en fait, par rapport à ce qui existait. Et on voit qu'il y a de plus en plus de demandes côté utilisateur. Et on parlait tout à l'heure de self-service qui est difficile. Enfin, personnellement, après, quelqu'un peut aussi avoir donner un retour d'expérience, mais c'est vrai que la notion de self-service dans une entreprise, c'est assez compliqué à maîtriser. Je trouve que le self-service, c'est très bien pour les utilisateurs, pour faire du prototypage, pour expérimenter en fait, des données, des reports, des indicateurs. Et après, une fois que tout ça est arrivé à maturité, on peut l'industrialiser côté informatique. Par contre, faut accompagner, faut former les utilisateurs à faire ça, quoi. J'ai une question dans le chat de Steven ou Stéphane ou Stéphan, je ne sais pas, j'ai peur d'écorcher le nom, donc pardonnez-moi, ce n'est pas ma volonté. Est-ce que tu travailles GitHub pour gérer du versionning de ton cube SSAS? On travaille avec Git, ouais. Toutes les modifications sont sur Git, en fait. Un Git que vous hébergez, vous? Oui. D'accord. Donc, voilà, la réponse est oui. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, je pense. Christian, tu me posais une question. Ce n'est pas une question, c'est tout dépend ce qu'on appelle, ce qu'on entend par self-service. Si vous mettez dispo, que corporate, les utilisateurs n'ont pas à créer des rapports, il fait déjà une énorme partie de la complexité. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, mais tout dépend en fait des services. Quand on parle, je parle par expérience, quand on parle des services commerciaux, marketing, souvent, ils utilisent des données qui ne sont pas forcément hébergées dans l'entreprise. Ils ont besoin d'avoir des données externes et de les mettre en fait en face en fait des données qui existent dans l'entreprise. Et donc, du coup, c'est là où la notion de self-service prend tout son sens. Parce que pour moi, il y a deux notions de self-service. Effectivement, c'est soit l'informatique maîtrise la donnée, met à disposition la donnée aux utilisateurs et ensuite derrière les utilisateurs créent leur propre report, ou soit en fait c'est du full self-service, c'est-à-dire que le business va créer ses propres modèles de données. Et maîtriser la deuxième partie est beaucoup plus compliqué. Pour ma part, moi j'aime bien les fonctionnalités que j'aime bien dans Power BI. Qui se rapproche à du self-service, c'est pas du self-service comme tu disais pur, hein. C'est la possibilité de connecter à des cubes, le moteur SSAS ou Power BI, puisque on sait qu'aujourd'hui c'est le même, à Excel, sous forme d'analyser dans Excel, le fameux bouton. Moi je trouve ça très bien pour les gens qui savent créer des tableaux croisés dynamiques, c'est une bonne chose. Ou une fonctionnalité peut-être moins utilisée, mais que j'aime bien présenter, c'est la possibilité que les gens ont de changer la structure du visuel, c'est depuis quelques versions maintenant, depuis à peu près 6 mois, les gens peuvent changer eux-mêmes la présentation du visuel plutôt qu'un camembert, de mettre un tableau ou un graphique à barre, et puis même changer les valeurs qui sont dedans. Et c'est assez facile à faire et c'est une façon aussi d'utilisateur de s'approprier un peu le rapport et les données. Alors je suis d'accord, c'est pas du vrai self-service où l'utilisateur vient de chercher les données, crée tout le projet, mais c'est une façon d'autonomiser les utilisateurs par rapport à ça. Je trouve ça pas mal. Tout à fait. Tristan disait justement qu'il faut identifier les bons utilisateurs pour remodéliser les données. Je pense que ça s'inscrit dans un programme, complètement un programme en fait de comment je vais déployer en fait de la BI, du reporting, de l'analytique au sein d'une entreprise. Et effectivement, en fait, il faut identifier les bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes suffisamment matures qui sont aguerries en fait, on va dire, avec les outils informatiques, qui sont communicants, et on peut s'appuyer en fait sur ces personnes pour comme des personnes relais en fait pour toucher le plus de nombre, plus de nombre, grand nombre de personnes possible dans l'entreprise. Et après, il faut l'animer. Et cette notion de Power BI Club qu'on a ici peut être implémentée également dans les entreprises. Et donc d'animer en fait soit mensuellement des réunions pour présenter justement ce que certains services font avec les outils, les nouveautés qui vont être apportées par l'informatique, les nouveautés qui sont apportées par les outils, et communiquer et au moins essayer de maîtriser un maximum de choses. Et d'être près des utilisateurs surtout.
J'ai discuté avec des spécialistes là-dessus, je ne les citerai pas parce qu'ils ont demandé à ce que je ne le fasse pas, mais paradoxalement, il faut savoir que la grande majorité des projets, c'est de la BI corporate et pas de la BI en self-service. Oui. Microsoft avance beaucoup en disant, regardez, vous pouvez rentrer dans de la BI et puis les mettre en self-service, mais sachez que la grande majorité, c'est vraiment des projets corporate, c'est-à-dire que les rapports sont mis à disposition par l'équipe IT. Et il y a très très peu de gens ou de projets où vous voyez des gens qui créent eux-mêmes leur propre rapport. Bah, j'ai vraiment pas de chance alors parce que moi j'ai rencontré que des entreprises où justement il y avait beaucoup de demandes de self-service. Et que les gens arrivaient à rentrer dedans? Bah, justement, les Demander, gens c'est une chose, utiliser, c'est autre chose. voilà. Bah, après, il y a demander et avoir les moyens de fournir quelque chose. Parce que faire des programmes, alors je parle pas forcément de BI, mais ça peut être aussi de RP, qui répondent à l'ensemble des sociétés d'un groupe avec des marchés qui peuvent être complètement différents, on ne peut pas répondre aux mêmes besoins à tout le monde. Et donc, du coup, en fait, oui, on va avoir un core modèle, mais ce core modèle ne va pas répondre à toutes les questions qu'on va pouvoir se poser. Et donc, du coup, il y a forcément des données additionnelles, des réflexions complètement différentes d'un marché à un autre, même dans un même groupe, qui doit être répondu à travers les outils de la BI. Et pour ce faire, en fait, il faut pouvoir justement aborder cette notion de self-service en toute sécurité. Il y a ça, mais aussi, moi je le vois sur certains projets, quand on me demande, quand je participe au départ à la BI corporate où tu crées des rapports et que tu crées forcément des mesures assez nombreuses parce que tu vas avoir du year to date, du ratio year to date, du machin, etc. Essayer d'expliquer tout le dictionnaire de données quand vous avez 250 mesures différentes où ça varie sur un ou deux mots. Ça fait peur aux gens, ils ont raison. C'est vrai que 250 mesures, comprendre ce que fait chacune, même si vous avez fait un choix très judicieux du nommage, les gens ne rentrent pas forcément dedans. Moi, je l'ai encore vu tout à l'heure, cet après-midi, avec un autre client. Voilà. Donc oui, ça peut faire peur aussi. On ne rentre pas dans un core modèle comme ça facilement. Ça Non, demande aussi une bonne prise en main, hein, et une formation pratiquement. si on en parle beaucoup hein, sur le net, enfin, on trouve beaucoup d'articles hein, sur la documentation autour de la BI, comment communiquer, comment donner les bonnes définitions et partager l'information. Le data lineage aussi, de savoir ben, cette information, elle vient d'où, comment elle a été construite, c'est quoi la règle qu'il y a derrière. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué à mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a une solution? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut l'adapter en fonction du besoin et des utilisateurs. Je te propose qu'on laisse les gens qui veulent. Alors, il y a une question, mais les autres, si vous voulez poser des questions, manifestez-vous en levant la main. On vous donnera la parole avec plaisir. Vous pourrez poser vos questions en direct. La question de Steven à nouveau. Lorsqu'un développeur ajoute des nouvelles fonctionnalités au QBCCS, avez-vous des tests automatiques pour vérifier que rien n'a été compromis ou brisé? Alors, nous, ce qu'on fait, en fait, souvent quand on teste, les meilleures données, ce sont les données de prod. Donc, du coup, on a un environnement de test où on va faire plutôt des tests unitaires chez nous. Et après, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'alimenter un cube en fait de tests avec les données de prod et faire des tests de non-régression en fait sur les reports. Pas si ça répond à la question. Oui. Et maintenant, si vous êtes, c'est le moment que vous pouvez utiliser pour poser vos questions, ou même avoir des ressentis ou faire vos propres commentaires. C'est pas forcément que des questions. Ouvrez vos micros et vous pouvez prendre la parole. Ou il y a des grands timides, ou alors on a été très clair. Et ceux des timides, alors justement, posez-les dans le chat. Hein. Il n'y a pas de questions bêtes. Non. Non, je pense que on a répondu à tout, on a été clair a priori.
que ça a répondu aux questions de Tristan aussi du début. Je crois que Tristan s'est déconnecté, je crois. D'accord. Voilà. Bon, bah écoutez, si on a pu répondre à aborder ce sujet avec vous, bah on est content. En tout cas, David, merci d'avoir pris ton temps personnel pour participer à cet événement. C'est toujours une expérience intéressante d'échanger et de prendre et de consacrer du temps à échanger là-dessus. C'est un vrai plaisir. En tout cas, merci. Merci bien. Merci d'avoir participé. Merci à tous et on vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas l'émission qui a lieu dans 2 jours sur les nouveautés de ce mois-ci de Power BI. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir.